Il est irrespectueux, Macron. Il est très mal éduqué, Macron. Et les Français reconnaissent même qu'ils ont mis à leur tête un enfant mal élevé. Donc c'est ça, Macron. Mais c'est indigne de prétendre imposer à un peuple une façon de se comporter, une façon de vivre. Ça, c'est l'expression achevée de l'indignité et de la forfaiture. Macron est un manipulateur parce que ce qu'il est, il veut le faire admettre à l'opinion internationale que c'est ce que les autres sont. C'est lui qui doit aller chercher où se trouve la dignité. Alors donc, je pense que ces propos insultants, vous savez, comme on le dit en Bambara, si tu vois la souris assise sur la peau du chat, ça veut dire que la mort est imparable. Les dignes filles de ce pays ne sont pas aux commandes. Je ne vais pas ailleurs. Nous sommes des hommes et des femmes capables de relever le défi. Macron ne peut pas nous tenir tête. En 2011, j'étais dans les studios français de 22h à 1h du matin où j'ai comparé Nicolas Sarkozy à Hitler. Par sa démarche, pas par insulte, mais par sa démarche. Et j'ai démonté le capitalisme français et dans ses propensions à vouloir soumettre les peuples africains, à commencer par la Libye. La Libye était sous le feu de la guerre. Et la marche rampante devrait prendre le Mali, l'Algérie, le Burkina Faso, toute la bande qui s'appelle la bande sahélo-sahélienne. Donc, je l'ai dit, nous sommes capables, quand un homme n'est pas capable de sacrifier sa vie pour son peuple, il ne mérite pas d'être dirigé, d'être dirigeant de ce peuple-là. Mais hélas, nous avons des gens qui pensent tout pour eux, et c'est ce qui fait que des individus de l'espèce de Macron se permettent d'insulter un pays aussi grand, aussi beau que le Mali. Et ils portent atteinte à l'honneur et à la dignité de nos ancêtres et de nous-mêmes. Alors, Président, je vous ai vu faire des manifestations contre le départ de l'armée française. Alors, à l'issue, pour le départ. Voilà. Donc, à l'issue du sommet de Pau, nous avons entendu Macron en train de lancer, il a annoncé l'envoi de 220 militaires français qui seront... Nous sommes contre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes contre et nous avons notre arme de prédilection qui est la mobilisation populaire. Et nous allons faire cette mobilisation populaire-là. Encore une fois, nous ne comptons que sur notre peuple, sur nos ancêtres et sur Dieu. Merci beaucoup. Merci.